Shalom, 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 shalom. Shalom dans le nom de Jésus. Vous tous qui êtes connectés à cette heure, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Abba, cher Paco Marie, depuis mon sanctuaire des ossements, nous avons commencé aujourd'hui même le jeûne de 40 jours, le jeûne de la nativité, le jeûne pour que quelqu'un enfante de son miracle, je sais, j'ai l'assurance, du moins je crois que chacun de vous, dans son lieu secret, pour ceux qui sont au travail, qui sont à leurs affaires, dans leur cœur, dans leur sanctuaire, de leur esprit que Dieu a introduit au fond d'eux, ils sont en prière et en intercession. Je crois que cette semaine est une semaine de jeûne pour réécrire ton histoire. N'oubliez pas, aujourd'hui nous débutons les 40 jours de jeûne pour faire sauter, pour détruire la dernière résistance. Je crois que Dieu fera du bien à chacun de nous. Pour ceux qui, à 15 heures, descendent légèrement de ce jeûne, d'abord avec la parole de Dieu, avec la méditation, il est bon que je puisse prier avec vous et vous rappeler quelques dispositions pour ce jeûne-là pendant que vous continuez à vous connecter. N'oubliez pas de partager. Je me tiens dans un lieu auquel ont accès ceux des esprits supérieurs. Et aujourd'hui, par la grâce de ce jeûne, vous tous avez eu accès à ce sanctuaire où les anges montent et descendent. Je crois que Dieu vous rejoindra au carrefour de votre besoin. Pendant que vous réagissez, je vais saluer tous les guerriers et les guerrières de prière. Myriam Vanessa, sois bénie. Kania, sois bénie. Hein, Georges Dominique, sois bénie. Partagez. Je prierai tout à l'heure pour vous après, un, les indications, après, deux, la petite exhortation pour permettre aux anges de vous fortifier. N'oubliez pas, c'est pendant nos temps d'épreuve, que les anges ont prié pour nous. De ce sanctuaire, de cet hôtel où vous avez pu voir un aspect, pas tous, quelques saints, quelques anges qui montent et descendent dans les effigies, dans les icônes, dans les images sont présents. Je crois que Dieu vous bénira. Partagez au maximum. Parce que tout à l'heure, je priais, demandais à Gabriel, qui est à ma droite et qui tient dans sa main les fleurs qu'il a offert à la tête de cause, de prier pour vous. Je demanderai à l'ange Séraphiel, qui a l'intercession, qui a les bras joints, de prier pour vous. Je demanderai tout à l'heure à l'archange Raphaël de prier également pour vous. Je demanderai également à Saint-Pierre de prier également pour vous. Je crois qu'il n'y a pas de raison que vous ne soyez exaucés, que vous ne soyez rejoints au carrefour de votre besoin. Pendant que l'ensemble monte, pendant que vous êtes privilégiés d'être dans ce lieu, que quelques rares personnes entrent, mais vous rentrez par la foi, vous rentrez par la magie des ombres, vous rentrez par le mystère de ces 40 jours de jeûne, le seul fait de réaliser ces images, d'être connecté, les maladies, les cancers disparaissent. Le seul fait d'être connecté, même de regarder après ces images, là, feront que les démons fuiront de votre présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'aucun esprit ne peut supporter la présence de ce lieu où je me tiens 24 heures sur 24 pour intercéder, pour demander que Dieu, partout où vous êtes, dans le monde entier, vous rejoignez au carrefour de votre besoin. Pendant que nos prières montent, pendant que les encens montent, pendant que vous êtes accompagnés de toute cette nuée de témoins au ciel, attendez-vous à cette visitation puissante. Je salue les dignes saints, Kofi, Eya, Sainte, Ali, Béatrice, Kima, Léon, Pierre, Cavor, je salue Chantal, Angie, Longois, je salue Marie-Désirée, Marie-Rose, Conquistré, je salue Eliane, Bakende, pendant que je dis vos noms, je salue Linda, Stéphanie Monet. Je crois que tous ces lieux de saints et de témoins, dont j'ai pu voir au moins un petit nombre,
se dispose pour prier pour vous. Eden Gigi, Aïda, Miko, Charlotte, Béoué, likez, likez, partagez au maximum. Pendant que vous vous connectez, je voudrais vous rappeler que depuis aujourd'hui, nous avons commencé ce jeûne de la nativité, 40 jours de jeûne. Pendant que vous sentez les effluves de l'encens qui montent, vous voyez cet encens-là qui monte vers vous, vous voyez cet encens-là qui fait monter également vos prières. Pendant que vous voyez la fumée de l'encens qui voit avec les anges que vous ne voyez pas, seul ce que les yeux spirituels peuvent voir les anges, et je vous assure que l'encens n'est pas dirigé vers l'écran, mais les anges sont en train de vous dire qu'ils montent avec vos prières. C'est pourquoi envoyez rapidement vos requêtes de prière, envoyez rapidement vos intentions, envoyez rapidement vos likes, likez, partagez. Je crois que Dieu vous rejoindra. N'oubliez pas tout à l'heure à minuit, si vous avez tout oublié, n'oubliez pas ça, à minuit, nous aurons la divine liturgie de préservation. N'oubliez pas, j'espère que chacun de vous a appelé la sœur Florence pour demander pour la semaine la divine liturgie pour ses enfants avec le nom, il faut les nommer. Il faut faire vos demandes de divine liturgie de façon nominative. Et je crois que Dieu, les anges sont montés, comme vous voyez les enfants montés, dirigés vers l'écran. Je vous assure qu'un ange est en train de vous dire qu'il monte. Tous ces lieux de témoins de saints sont en train de monter. Avec vos requêtes de prière, je crois que vos supplications, vos actions de grâce sont en train de monter. N'oubliez pas, nous commençons ce jeûne, pas tout pour jeûner. C'est un jeûne qui va entraîner un grand éveil spirituel de votre vie et un changement. Le thème de cette semaine, c'est pourquoi quand vous priez, priez, jeûnez en fonction du thème de la semaine. Père Jean, ne me dérange pas, je suis en prière. Priez en fonction du thème de la semaine. Et pour cette semaine-là, n'oubliez pas, nous jeûnons. Le jeûne pour réécrire son histoire. Donc pendant que vous jeûnez, dites à Dieu, oh Dieu, l'histoire que je vis, ce n'est pas l'histoire que je souhaite. Je suis célibataire, je suis malade, ma carrière n'avance pas, je n'ai pas mes papiers, mon mariage n'est pas un lieu de paix, je ne suis pas épanoui, ma vie spirituelle n'avance pas, mon mari a des troubles dans ses affaires, je n'arrive pas à aller de l'avant, mon foyer est toujours challengé par les esprits mauvais, je n'arrive pas à expérimenter la communion avec Dieu. Pendant que les anges montent avec votre fumée, n'oubliez pas, première semaine-là, nous jeûnons pour réécrire notre histoire. Nous jeûnons pour changer de trajectoire. Nous jeûnons pour que tout ce que vous avez vu, où les anges se manifestent, quoi, je vois l'encens. Regardez comment l'encens se balade. Regardez un peu ça. C'est que les yeux spirituels peuvent voir des formes d'anges. Bon, c'est un langage prophétique. Je vous assure que ceux qui ne sont pas, qui sont seulement des chrétiens religieux ou simplement des enseignants, on ne peut pas comprendre ça. Nous, qui avons le mystère des choses divines, nous voyons ces choses-là. L'encens, David a dit que ma prière monte vers toi comme la fumée de l'encens. Et qu'est-ce qui fait monter la prière? Ce sont les anges. Partagez. Mais n'oubliez pas, cette semaine qui commence aujourd'hui, nous jeûnons pour réécrire notre histoire. C'est pourquoi n'oubliez pas de partager. Et je vous demande, à toute heure, si vous sentez des oppressions, revisitez la vidéo du jour. Parce qu'on va vous permettre d'entrer dans ce sanctuaire magnifique pour expérimenter la prière merveilleuse. Excusez-moi. Et écoutez, prenez graine et faites attention. Surtout l'ange qui a la face d'un lion. Pas beau, que vous avez vu tout à l'heure. Il est prêt à aller partout pour travailler avec vous. Je demandais que nous puissions voir cet ange-là. Priez avec vous. Demandez-lui. Il est le symbole du lion de la tribu de Juda. Et demandez aussi à Saint Joseph Capelio qui nous a aidé quand j'étais à la terre à survoler sur les problèmes pendant que mon Saint Joseph demandait que vous soyez au-dessus de tous les combats que vous vivez. Demandez à l'ange qui symbolise le lion de Juda de combattre pour vous. Demandez à Paul qui a le paix de vous donner de marcher dans l'entièreté de la parole de Dieu. Vous savez, pendant que vous me suivez, ce cantique merveilleux, ce cantique des cieux orthodoxes, pour que Dieu prenne votre âme en main. Méditez ce cantique-là, et demandez à Dieu de vous rejoindre. Adorons le Seigneur pendant que vous priez, pendant que vos prières montent, pendant que, par vous, l'ange à Lyon
travaille pour vous. Ce sont des mystères. Si vous êtes un chrétien religieux ou pas profonde, demandons que le lion de Juda, là, qui a marché devant eux, Michael, qui a pris cette forme de lion, puisse combattre à vos côtés, puisse prier pour vous. Pendant que vous entendez cette musique céleste, demandez que vos prières montent, que vos prières montent comme la fumée de l'encens. Que vos prières montent et que la grâce de Dieu vous soit accordée, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Que Saint-Paul, qui a le fait, vous fasse expérimenter le paix de la parole. Que les anges femelles qui travaillent avec nous, pour ceux qui suivent notre commission, que les anges femelles puissent intercéder pour vous. Puissent prier pour vous. Allez dans le livre de Zacharie, vous aurez le mystère de ce que nous disons. Et puis avec ce cantique orthodoxe puissant, que ce premier jour de jeûne réécrit son histoire, que Michael, surtout la théotocorse, qui a une épée pour casser tous les liens dans votre vie, que la théotocorse puisse intercéder également pour vous. Faisons un tour de prière. Je prierai pour chacun et je crois que Dieu nous rejoindra. Mon mari, coupe tous les liens avec ton épée, lève toutes les situations, toutes les fondations de nos vies et que ce chandelier allumé symbolise la vie, symbolise. Merci. Marie-Carrel, sois bénie. Rita, sois bénie. Viviane, sois bénie. Vous vous connectez. Alors, je vous rappelle que nous avons commencé le jeûne de la nativité, 40 jours de jeûne, pour entrer dans son miracle brutalement, le jeûne de la nativité. Et aujourd'hui, c'est la première semaine, le thème avec lequel vous avez prié. Le jeûne pour réécrire son histoire, le jeûne pour donner une nouvelle trajectoire à son histoire, je crois que Dieu vous rejoindra. N'oubliez pas, pendant ce temps de jeûne, priez dans vos hôtels. Et je vous ai dit, pour nous qui sommes dans la fratrie orthodoxe et romaine, et même pour nos frères qui nous suivent, ce n'est pas toutes les images où pour nos frères romains, toutes les statues, pas au moins la statue de la Théotocorse, la Vierge Marie, la statue, la croix de Jésus qui est primordiale, la croix de Jésus et la statue de Michael. C'est vrai qu'il y a ça avec votre chandelier, vous êtes déjà, et que ce lieu est un lieu de prière béni par un prêtre de Jésus-Christ, vous êtes connecté. Alors, le jeûne commence aujourd'hui, il est bon de vous donner quelques indications. Nous jeûnons de 6h à 18h, du lundi au vendredi, sans manger de l'huile, sans manger de la viande et ses dérivés, du poisson et ses dérivés, donc crabe, tout ça on ne mange pas, fruits de mer on ne mange pas. Voilà, il y a des substituts, des champignons vous permettront de ne pas perdre votre quantité nécessaire de protéines. Les champignons, il y a d'autres légumes qui remplacent bien ces éléments-là, voilà. Donc c'est très important que vous le sachiez, c'est très important que vous le sachiez. Ah, la collection, je crois, fait des ailes, mais c'est pas grave, c'est très important que vous le sachiez. Et donc 6h à 18h du lundi au vendredi, 6h, 18h, de 6h à 15h, jeûne uniquement à l'eau, buvez beaucoup, beaucoup d'eau. Je vous exhorte à boire moins de 6h à 15h, moins 1,5 litre d'eau, sinon plus 1,5 litre d'eau. Et à 15h, nous descendons légèrement avec la parole, comme vous voyez avec ma parole, dans le méditer, avec la parole, avec la méditation. Je vous exhorte à voir ce cantique orthodoxe avec lequel vous pourrez méditer. Le thème, c'est chant de repentance orthodoxe, Cry My Soul. Always, cry my soul always. Je vais entendre un peu. Il faut la voix, voir ce cantique-là pour plonger. Écoutez un peu ce cantique-là. Que notre âme puisse crier à Dieu, que notre âme puisse supplier devant le Seigneur. Et chaque jour à 15h.
Madame pleure devant toi, Yahweh. Madame soupire après toi. Pendant ces 15 jours de jeûne, plus que des voitures, des maisons, plus que des milliards, que mon âme te raconte, mon âme prie après toi, mon âme a soif de toi, Seigneur. Toi seul est le sujet de ma joie, toi seul est le soupir de mon âme. Cry my soul always, chante l'importance orthodoxe. Il faut avoir cela. Ça va vous aider. Alors, 6h, 15h, je suis à l'eau, au moins 1 litre d'eau, 1 litre et demi d'eau, au moins sinon 3 litres d'eau. À 15h, nous descendons légèrement avec des légumes ou des fruits. Voilà, pour ceux qui ont des régimes glycémiques, et des légumes, vous pouvez prendre une pomme, une carotte, ou bien de la bouillie, tout simplement, mais sans huile. Et nous continuons encore le jeûne jusqu'à 18h, mais à partir de 15h, commencer à être en prière. Surtout avec la méditation de la parole, comme je le fais dans mon sanctuaire. À 15h, je vous donnerai rendez-vous dans mon sanctuaire. Connectez-vous, parce que c'est un lieu de vie. Le simple fait d'être connecté, des cancers exploseront. Dites à tous vos frères malades, tous ceux qui ont un blocage. Nous sommes dans le temps de la semaine pour réécrire son histoire. Et n'oubliez pas que votre histoire sera réécrite. Et à 18h, nous descendons normalement. Nous pouvons tout manger, mais n'oubliez pas, sans huile, sans viande dérivée, sans poisson et dérivée. Voilà. Mais le samedi, nous mangeons de l'huile et du poisson, mais sans alcool et sans viande. Voilà. Le samedi n'est pas jour de jeûne dans l'orthodoxie, mais c'est un jour pour vous faire, il faut vous remplir de la parole et des enseignements, Vous tous, par exemple, qui n'avez pas beaucoup suivi les enseignements d'abord, allez sur YouTube et demandez à méditer les enseignements et vous écoutez dans vos oreilles, mais méditez les enseignements. Et à minuit, n'oubliez pas, à minuit, la divine liturgie de préservation, déjà envoyez vos demandes de divine liturgie à Sœur Florence. La divine liturgie à 1000 francs pour tenir compte de toutes les réalités et par personne. Donc par exemple, si vous avez 3 enfants, chacun pour la divine liturgie de préservation, écrivez son nom, vous appelez la Sœur Florence, vous lui envoyez pour faire la demande par semaine, même pour le mois de carême de nativité, vous pouvez faire ce jeûne-là pour ce mois-là. Et à minuit aujourd'hui, je déposerai vos noms sur l'autel sous également la coupe du sang, je dirai le nom, je prierai avec la prière de préservation. Et c'est important, vous ne serez pas seul à traverser cette situation. Minuit, jeûne de préservation, de préservation. Demain, on se retrouve à quoi? 15h, ce soir à minuit. Et demain, on se retrouve au centre d'excellence à partir de 19h pour la divine liturgie. Et pour les temps de guerre jusqu'à 22h pour écrire son histoire. Demain, je serai avec le Père Eugène Marie. Je crois que Dieu vous fera du bien. Avec ma bénédiction, que c'est la bénédiction avec l'encens que vous expérimentez, tous ces anges qui montent vers vous, tous ces anges, élevez vos voix. Rakabazo, Kebozi, Kababababa, Rabba, les Kabazo, les Marabababa, avec l'archange Gabriel, je prie que nous puissions intercéder pour vous, qu'il amène nos prières aux cieux et qu'il vous amène des bonnes nouvelles pour écrire votre histoire. C'était à bas, chez Pacomari, comme chaque 15 heures, nous commençons le jeûne de la nativité, 40 jours pour un temps de gloire. N'oubliez pas, novembre, décembre, mois de l'alliance de préservation et de l'alliance financière, au nom du Père et du Fils. Et du Saint-Esprit. Amen.